Hey, hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes deux sœurs, ma petite sœur de 15 ans, ma grande sœur de 25 ans. Ça veut dire on va le voir sur la vidéo. Je suis la grande sœur de 25 ans. Elle a 22 ans. Elles vont devoir trouver le prix exact. C'est-à-dire celle qui ça va être le juste prix en fait, celle qui se rapproche le plus du prix initial du produit n'aura pas à manger un Jelly Belly, vous voyez, et en plus ils ont rajouté de nouveaux goûts. Donc vous avez goût punaise, la bête verte, la bête verte, œuf pourri, vomi, crotte de nez, chaussette puante, eau de vaisselle sale, moufette, nourriture pour chien, poisson pourri et lait avarié. Je vais sortir du coup le carnet des problèmes. Mais qu'est-ce que... Premier produit, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Nous avons le stick de Fenty Beauty, stick contour comme ceci en teinte, je ne sais pas combien. 1, 2, 3. On montre. C'est moi qui gagne. Ah ouais, ouais. Alors, c'est qui a le prix. La gagnante qui a dit le prix juste. Mais juste. C'est moi. Et il a... Non, 24 euros pile. Ah là, la semaine, ça y est, ça commence. Nous, on est très... Allez, on est des mauvais joueurs, ça marche. Enchaîne, c'est pas grave. Bah, j'avais pas d'enchaîne. Tu manges le bonbon d'abord. Le jade, c'est soit œuf pourri ou soit popcorn au beurre. Je suis sûre c'est popcorn au beurre et elle en fait tout un plat. Elle en fait tout un plat. Non mais ça a un goût de pelouse. Prochain produit, est-ce que tu es prête? Je t'ai remis tes émotions. Alors, petit rouge à lèvres Dior, à votre avis, le prix? Non mais t'as écrit le prix? Oui. Toi tu vas mettre le même prix pour tous les produits ou ça se passe comment en fait? Non mais moi je pense que c'est vraiment celui-là. 1, 2, 3, c'est parti. Comment ça 20 euros? Un Dior 20 euros? C'est un rouge à lèvres ma gueule. C'est moi. À 1,99€ près, Ravanui l'emporte. Quoi? Mais en quelle année? C'est un rouge à lèvres. Mais un rouge à lèvres Dior, c'est pas possible que ce soit à 20 euros. Ça coûte 40 balles? Ouais, ça coûte 38€. 38 euros le rouge à lèvres. J'avoue que c'est archi cher. Ils étaient à coûter 30 balles alors. Allez, avale, qu'on en finisse. Mais je sais pas quoi. Ah, c'est bon. C'est soit eau de vaisselle sale. Ah non, c'est lait avarié ou notre coco? Notre coco. Non, mais ça chlingue. Oh, ça pue. On dirait de la nourriture. Mais elle est là, poubelle. Elle est là. Allez. Petite palette. Normalement vous êtes censé trouver parce que je viens de l'acheter il y a pas longtemps et je vous ai répété le prix un milliard de fois. Non, en fait. Ça se voit qu'elle m'écoute pas. Petite palette très mignonne de chez Beauty Bay, trop belle. Donc, à vos prix. 1, 2, 3. Montrez vos prix. Non mais. Wesh, elles ont cru que je me maquillais avec du Chanel là ou quoi? Quoi? C'est pas ça? Non mais en quelle année? 65 euros? 50 euros? Ben. Mais vous êtes sérieux? 22,50€. 11 euros? Mais non, 11 ça euros. Avec la canne rouge dedans? Oui, 11 euros c'est Beauty Bay. Voilà, ah, c'est Beauty Bay alors. Hein. Ah mais c'est une fausse. Ok. Non mais c'est pas. Non, c'est la marque Beauty Bay, c'est une marque. Elle est bien la marque, elle est pas chère. C'est Ina qui se rapproche le plus, même si elle est 60 euros. Mais frère, 11 euros, 50 euros, il n'y a aucun rapport. Ouais, ça vous. 65 euros, mangez toutes les deux là. Vous mangez toutes les deux. Moi, je mange pas toutes les deux. Oh, je suis même sueur. C'est beau. Allez, attends, bah c'est marron, peut-être ça va être chocolat, pudding. C'est pas pudding, c'est nourriture pour chien ou pudding au chocolat. Bah, je préfère la nourriture pour chien. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Cian de chez Lidl. Okay.
Me demandez pas pourquoi, un jour je suis partie acheter du maquillage Lidl. Vous m'avez demandé de vous faire une vidéo avec du maquillage pas cher. Donc du coup, j'avais commencé à acheter des trucs mais je l'ai jamais fait. Je te vois, ah, je recopie. Mais j'ai pas triché, je recopie. Mais non, si t'étais comme ça. Allez, 1, 2, 3. J'ai mis 5 euros. Avec un prix très exact, la gagnante est Inatea. Allez, non, vas-y, je mange pas. Frère, on t'a dit Lidl. Mais c'est Lidl, 5 euros. Lidl, mais Lidl. Lidl. Il manquerait plus qu'ils mettent du maquillage à 5 euros. 5 euros, ça serait le prix de leur palette. Je te Allez. Non, vous devez le mettre dans la bouche, c'est de la triche. Et mâcher correctement. Ah, c'est raclette pourrie ou quoi? Raclette pourrie. Attends, t'as pris quelle couleur? Orange. Orange blanc. Poisson. On va parler de l'histoire du crayon le plus cher de ma collection. Un crayon cher tout court. 1, 2, 3. Crayon Make Up Forever Aqua Lip en teinte 11C, comme ceci. Le prix de ce crayon Make Up Forever. A savoir que je vous aide, même si vous êtes censé savoir, Make Up Forever c'est une marque pro, donc, enfin, conçue pour les pros, donc les prix, c'est pas du Primark. C'est comparable à Mac. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, montrez vos prix. Et avec un prix exact. Jure, c'est ça. J'ai regardé avant ton prix. Tu verras dans la vidéo, j'ai regardé ton prix. Avec un prix c'est exact, Rava remporte ce battle. Tu vois, j'ai regardé ton prix. Trop forte. Je pensais qu'il était à 21 balles. Non mais 18 trop euros, fort. Je vais dire c'est un crayon, c'est de la vue. Trop fort, je suis trop fort. T'as pris quelle couleur? Eau de vaisselle, gâteau d'anniversaire, le rose. Le rose. Mais il n'y a même pas de rose en vrai, hein. Tutti Frutti. Ah, bon ça va, elle est tombée sur Tutti Frutti. 1, 2, 3. Crayon Anastasia sophistiqué. Mais laissez ça son crayon. Attends, je sais. Crayon pinceau à sourcils, pardon. Elle se fait tout le temps les sourcils avec, donc tu es censé savoir le prix exact de ce pinceau. Vas-y. 1, 2, 3, montrez vos prix. 21,50€. Moi j'ai mis 21€. Il coûte 21,50€. Non mais elle met 20. Il coûte 24 euros. Ah, mais j'ai écrit 24, mais après. Non, ouais. Oui, non, j'ai vu. Mais après, j'ai vu que t'avais écrit 24 parce euros. Parce que je sais plus, ça change pinceau. T'as dû pas regarder. T'as vu que j'avais dit 21 si, euros. Je t'ai dit, je vais la recopier. Non, c'est pas vrai. Dans tous les cas, c'est elle qui a gagné. C'est parce que je savais plus c'était quoi qui était à 21 euros et lequel qui était à 24. Allez. Vas-y, je vais manger. Je te jure, j'avais déjà pas les mêmes. Vas-y, avale-le. C'était un tic-tac, tu l'as avalé, t'es sérieuse? Prochain truc. On part sur. Elle a payé combien déjà? Un baume à lèvres qui avait fait très scandale cet été en festival parce qu'il coûtait une blinde pour un baume à lèvres, on va dire. Et tout le monde m'avait jugé parce que j'ai acheté le baume à lèvres de Fenty Beauty qui coûte la peau du cul, clairement. Enfin, pour un baume à lèvres, il est super cher. Donc voici le petit baume à lèvres. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fini alors que ça fait depuis cet été que je l'ai. Il est trop bien, je l'adore, c'est mon baume à lèvres préféré. À vos prix. Il a coûté combien? Si, il a coûté une blinde. Il a coûté une non, blinde. Je crois qu'il était à 19 euros. Prends, juste parce que tu vois que je réagis à ton prix, tu commences à le changer. Non. C'est parce qu'il me semble que c'était dans les. Et toi, arrête de recopier, on t'a vu en fait. 1, 2, 3. 19,99€. Le prix exact de ce baume à lèvres, étant donné que ce n'est qu'un baume à lèvres, il est à 14 euros. Ah voilà, c'était ça. 14 euros, donc c'est Ida qui gagne à 99 centimes. Je ne suis pas contente. Bon, parce que clairement, moi et mes sœurs, on n'arrive pas à rester concentrés plus de 20 minutes. La fin de la vidéo, c'est n'importe quoi. On a pranké ma mère, pranké mon copain. Bref, c'était un mélange de tout et de n'importe quoi. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, on fait une vidéo.
Mais vidéo de quoi là? Ça fait une heure que j'appelle. Non, mais on s'en fout de la vidéo. Ça fait une heure que je t'appelle. Non mais s'il vous plaît, on peut prendre quelques secondes pour regarder nos têtes. On a des têtes de diablotin, vraiment des petites pestes. Heureusement que ma mère, elle est grave bon délire, parce que sinon je pense que j'aurais mangé une baffe en vrai. C'est quoi comme bonbon? C'est des bonbons, mais ceux-là c'est pas ceux qui puent. Ouais, c'est des bonbons normaux. J'ai pris ceux qui ont le goût normal. C'est dégueulasse ça. Ça va pas, non? Mange un bonbon. Dis-nous quel goût ça tombe sur toi. Vas-y. Choisis-le quand tu veux quoi. Non, moi il y a soit chocolat, bon. Soit. Tu crois que tu si mens. Prends soit chocolat, d'un coup, soit popcorn. Si t'en prends deux d'un coup, ça fait des bons goûts. Non, mais c'est vrai. Bah allez. Non, mais c'est vrai. C'est bon, hein. Deux d'un coup, on t'a dit. Faut en prendre deux d'un coup parce que sinon, si t'en prends un. Regarde, je t'ai dit les goûts. Guimauve, popcorn, pêche, poire juteuse, tutti frutti. Gâteau d'anniversaire, réglisse, pudding, smoothie, fraise banane, noix de coco. Œuf pourri, vomi, crotte de nez, chaussettes puantes, eau de vaisselle sale. T'es tombé sur quoi? Je sais pas. Ben mange un autre. Lui aussi, il est comme moi, il sent pas les... C'était quoi? C'est dégueulasse. C'est pas ce que tu fais, c'est dégueulasse, je jure. Avant-dernière, on a des paillettes de qualité achetées par moi. Des paillettes de qualité que mon copain m'a acheté à Action. Donc à votre avis, elle est en train de se foutre de ta tronche. Non, je me moque pas de toi. La vérité, je me moque pas, je suis très contente de mes paillettes. Je t'achète plus rien. Mais les paillettes, elles sont pas utilisées. Tu vois bien qu'elles n'utilisent pas. Je sais, jette-les maintenant. Je suis très contente des paillettes que tu m'as achetées. C'est vrai. Ouais, alors pourquoi tu l'as pas mis, tiens là, maintenant. Pourquoi tu mens? Dernier produit, il s'agit d'une palette Sephora. A votre avis, quel est le prix de cette palette? 29,99€. Arrêtez, c'est quelqu'un qui l'a offert à talon. Arrête, c'est quelqu'un qui l'a offert à talon. Et ça, tu s'en quoi avec? Ah, t'es belle! Ah, c'est ça pour moi. C'est pour nettoyer les pinceaux, genre en gros, t'enlèves le fard qu'il y a dessus. Ah, il s'en fout. La vas-y, le prix de cette palette de chez Sephora. A savoir que Sephora c'est pas cher, donc. À vos prix. Attaquons l'exercice. Regarde, Calo. Si quelqu'un qui l'a offert, ça doit pas coûter très cher. Hein. Vous vous moquez de quoi là? C'est trop bizarre. C'est pas où il se moque de ça. Ça. Il se moque de ça. Aya. Aya, maman, il se moque de la palette que tu m'as offert. Oh. Tati. C'est maman. J'achèterai plus de palettes. Mais elle m'a rien demandé. Mais c'est elle qui s'est moquée. Du coup, la gagnante de cette vidéo est. Oh, on en est déjà. Sans aucune surprise, Ina. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On vous fait de la bisous. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. Attendez. Bisous. Mais je vous jure, j'ai pas fait le truc. Ça, c'est incroyable de parler. Je vous mettrai leur Instagram, Snapchat et tout, soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Et on vous dit à la prochaine. Bisous. Non mais tu dois pas dire ça! C'est dégoûtant ce que tu dis, tu dois faire genre... Comme ça plutôt.